Police, c'est un état d'arrestation. Tiens-vous! Pas de procès! Asseyez-vous tranquillement! Levez-vous! Bandit. Vous n'avez rien d'autre à faire? Donc c'est comme ça, vous, les deux bandits, qui ont eu à voler ma moto. Qui a volé ta moto? Avec vos complices de colbomseuse. Monsieur, contrôlez votre parole. Personne n'a volé sa moto ici. Vous êtes les deux bandits. Bande des voleurs comme ça là. Oh, avec votre complice de voleurs. Levez-vous. De toute façon, madame, ce sont tes complices. Je vais y aller voir la police. Oh, mesdames, pas de querelle. Levez-vous, tout le monde. On va au commissariat. Debout. Avancez. Debout, monsieur. Voleurs comme ça. Vite. Allez, on avance. Va voir les gens comme ça. Soyons plus discrets, mon commissaire. Plus discrets, pourquoi? On commence à nous soupçonner. Qui ose nous soupçonner? Qui ose soupçonner le commissaire? Divisionnaire hors hiérarchie. Le brigadier Baudet. Le brigadier Baudet a le tout fait de soupçonner son commissaire? Eh bien, je vais le faire affecter à la frontière de l'extrême nord. Ne faites pas ça, mon commissaire. Et pourquoi? Mais il est en train de me priver d'un plaisir. Il me prive d'un plaisir qui m'appartient. En tout cas, en attendant qu'il soit affecté, on se remet au travail, n'est-ce pas? Pardon, mon commissaire. Je ne savais pas que... Tu ne savais pas quoi? Viens-en, en fait. Mon commissaire, nous avons mis fin au trafic de moto. C'est ça qui te permet d'entrer dans mon bureau sans frapper? Non, mon commissaire. Inspecteur Bernélien. Mon commissaire. Disposez. Oui, disposez. Vous ramenez les dossiers là, hein? Oui, mon commissaire. Comme on a dit tout à l'heure. Et vous, Erwin, passez là. C'est ça que tu voulais? C'est ça que tu veux aussi? Non. Tu veux aussi ça? Non. Tu rien, Kafi, dans mon bureau, tu feras, n'est-ce pas? Non, commissaire. Et tu perds, tu la boucles. Si tu répètes à quiconque ce que tu as vu, toi également, je vais te faire affecter à la frontière de l'extrême nord. Tu m'entends? À vos ordres, mon commissaire. Oh, inspecteur, dites à cette bande de malfrats d'entrer. Je voudrais également voir l'inspecteur Coco. Allez-y. Madame, tu es un peu...
dois gérer. Je ne peux même pas discuter avec toi. Viens récupérer ma moto. Silence. Ma silence. Silence. En tout cas, vous allez me rembourser mon argent. Taisez-vous. Moi, je devrais. Silence. Inspecteur Herville. Oui, mon commissaire. Vous me disiez là tout à l'heure que vous avez mis fin au trafic de moto. Mon commissaire, vous avez là devant vous tous les acteurs de l'affaire de moto volée. Où sont les voleurs? Ils sont là, mon commissaire. Nous venons de mettre fin à leurs activités de vol de moto. Et vous les laissez debout? Décoiffez-vous, monsieur! Tu attends quoi? Affaissez-vous! Exécution! À même le sol! Ah. Assis, monsieur! Il se croit où? C'est vous qui terrorisez la ville, n'est-ce pas? Non, mon commissaire, c'est un malentendu. Non, mon commissaire. Et à qui appartient la moto volée? C'est à moi, mon commissaire. C'est à moi, mon commissaire. C'est ta moto, tu l'as achetée à combien? Taisez-vous! Elle a passé finalement à qui? Je l'ai achetée ce matin, mon commissaire. Tu as acheté une moto à 75 000. C'est ma moto, mon commissaire. C'est ma moto. 75 000, c'est pas l'argent. Hein? C'est pas l'argent. Je ne l'ai pas acheté à 75 000, madame. Voleuse. Vous allez vous taire. 75 000, c'est pas l'argent. Je peux faire sortir les factures de ma moto. Sale voleuse comme ça. En tout cas, le commissaire nous dira qui a raison tout à l'heure. Vous êtes une voleuse, madame. Tais-toi. Encore toi, Sabine. Je t'ai toujours dit que ton colbox, ce colbox que tu as installé aux alentours du commissariat, était un danger public. Non seulement tu espionnes les conversations des usagers, mais également maintenant, tu entres dans le trafic des marchandises volées. Mon commissaire, c'est un bon prix. On vend déjà les motos au bord de la route. Vend-on les motos au bord de la route? Inspecteur Herville. Mon commissaire. Inspecteur Coco. Mon commissaire. Vous allez me prendre ces deux bandits de grand chemin. Vous allez les mettre au frais. Et demain, vous les déférez directement au parquet. D'accord? Oui, mon commissaire. Madame, vous retirez votre moto. Mais vous faites la décharge auprès de l'inspecteur Daniela. Mon commissaire, et mon agent? Sabine, je n'aime pas la provocation. Vous demandez si on doit vous rembourser votre argent. Soyez content. Soyez même fier que le commissaire divisionnaire hors hiérarchie que je suis soit de bonne humeur ce matin. Sinon, je vous aurais mis au cachot également pour recel. Vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Ça vous apprendra à ne plus acheter des marchandises au bord de la route. Pardon, mon commissaire, c'est mon fonds de crédit, mon commissaire, pardon. Dégage! Passez ici, levez-vous! Pardon, mon commissaire. Exécutez, madame! Levez-vous, monsieur! Allez, vous, de plus, on te met en cellule. Allez! Levez-vous! Pardon, mon commissaire, s'il vous plaît. Levez-vous, monsieur! Une moto à 75 000 francs. Repos. Garde à vous. Repos. Garde à vous. Repos. Garde à vous. J'ai remarqué que vous êtes devenu très lourd. Très lourd. Il vous faut de l'entraînement. À cet effet, j'ai décidé d'envoyer certains d'entre vous au centre d'instruction. Et une autre chose. On m'a signalé beaucoup d'agressions dans les quartiers. Nous allons effectuer une série de rafles. Maison après maison,
toutes les maisons, même les dessous des lits, pour attraper ces brigands de grand chemin. Hirondelle. Mais mon commissaire. Tu es devenu une vraie passoire. Tu laisses passer des imbéciles qui viennent me déranger là dans mon bureau. Désormais, il ne faut plus laisser des gens passer sans ton accord. D'accord? À vos ordres, mon commissaire. Toi, Herville. Mon commissaire. Ça va? Ça va, mon commissaire. Où est Baudet? Je ne sais pas, mon commissaire. Où le brigadier Baudet? Il n'est pas arrivé ce matin, mon commissaire. As-tu une permission? Quelle heure, brigadier? Je ne sais pas, mon commissaire, en hiérarchie. Tu n'as pas une montre? Tu n'en as pas. C'est vous qui suivez l'état. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Regarde-toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon commissaire, c'est mon épouse Nini qui m'a fait trop de problèmes le matin. Toujours Nini. La prochaine fois que je vais l'enfermer ici, ce sera pour 2 semaines. Tu comprends? Je suis d'accord, mon commissaire. Regarde comment tu as boutonné ta veste. Regarde ça! Tu ressembles à un ancien combattant de l'époque. Tu as une corvée d'une semaine. Je dis bien une semaine. Tu as lavé ma voiture. Extérieur, intérieur. Exécution. Que ça vous serve donc de leçon à tous. D'accord? Oui, bonjour, mon commissaire. Celui qui s'amuse à maltraiter son corps et surtout. Mon commissaire. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Ma fille a disparu. Votre fille a disparu? Oui, mon commissaire. Ça fait combien de temps? Calmez-vous, madame. Ça fait une semaine. Calmez-vous. Inspecteur Coco et Herville. Mon commissaire. Recevez cette dame. À vos ordres, mon commissaire. Ok. Les autres, rampez et regagnez vos postes. Madame, passez-moi le téléphone, s'il vous plaît. C'est pour un appel. Bien sûr que c'est pour un appel, madame, nous sommes pressés. Ok, mais c'est la guerre. Madame, je ne suis pas venu ici à admirer votre beauté. Hein? Pardon, tenez. Oui, allô? Oui, c'est Popida qui vous appelle, chef. Oui, c'est pour vous informer que l'opération s'est bien déroulée. La poule est dans le sac. Non! Qu'est-ce qu'on fait de la fille? Oui, compris. Madame, cessez de pleurer et racontez-nous les faits. Depuis qu'avez-vous constaté la disparition de votre fille? Ça fait une semaine. Une semaine? Et c'est au juge qu'on signalait sa disparition. Ma voiture s'est sentie intempestive. Elle n'a jamais fait plus de 3 jours d'ailleurs. Elle a quel âge? Quel est son nom? Leïla. Elle s'appelle Leïla. Leïla. Bien, madame, vous savez quand même que votre fille est mineure. Et vous lui permettez de passer des nuits dehors à cet âge? Cette fille m'a déjà dépassée. Comment ça? Je suis là seule à m'occuper de son éducation. Mais pourquoi? Où est son père? Madame, si vous voulez retrouver, que nous retrouvions votre fille, vous devez coopérer avec nous et tout nous dire. Où est son père? Il nous a abandonné pour aller vivre avec une femme au quartier 15. Qu'est-ce qu'il a dit, le boss? On conduit la fille au quartier 15. C'est 15? Oui, au quartier 15. Ok, allons. C'est comment? Mon agent. Je m'excuse, madame. L'appel a fait 300. Bon, prenez. Fais vite. Je n'ai pas de monnaie. Ouais, gardez la monnaie, madame. Nous sommes pressés. Hey, monsieur, revenez.
Ça, c'est un faux billet pour vous donner. Quel faux billet, mon agent? Un faux billet? Oui. Je vois même sur toi. Je fabrique les faux billets. En tout cas, bon, prenez votre billet, vous me donnez 300. C'est simple. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Regardez bien le billet là. C'est un bon billet, le billet là est bon. Je ne le veux pas, ça c'est un faux billet. Donnez-moi 300. Mon billet, billet n'est pas faux. Non, prenez-le, donnez-moi 300. Mais nous n'avons pas de petite monnaie. Gardez, c'est une faveur. Gardez la monnaie. Donnez-moi mes 300. Madame, ne me poussez pas à vous taper. Remboursez-moi mon argent, je suis pressé. Pourquoi? Ne me poussez pas à vous taper. Si je vous frappez-moi donc. Frappez-moi donc. Vous me donnez un faux billet, vous me menacez. C'est une femme à problème. Regardez d'abord son parasol même d'abord. Regardez la si c'est comme ça, je vais vous amener au commissariat. Je vais aller voir le commissaire. Au commissariat. Oui. Je n'ai pas du commissariat. En tout cas, on va aller finir. C'est d'abord commissariat quand tu sauras si tu as peur du commissariat ou pas. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on peut avoir ce nom ici pour lui? Il s'appelle moi. Il vient avec un prostitué qui se fait appeler la tigresse. Je ne peux pas vous dire exactement où il vit, mais tout ce que je sais, c'est qu'il vit au quartier 15. Bien, madame. Nous allons nous renseigner à propos de cette histoire. Seulement, en rentrant chez vous, vous posez vous sagement et surtout ne faites rien qui puisse compromettre notre enquête. S'il vous plaît, ramenez-moi ma fille sain et sauf, s'il vous plaît. Madame, est-ce que votre fille ne peut pas être avec son père? Non. Pourquoi? Ils ne s'entendent pas. Elle reproche de nous avoir abandonnés. Madame, vous allez rentrer chez vous. Cessez de pleurer. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir. Et dès qu'on aura l'aide de votre fille, on vous fera signe. S'il vous plaît, le jouet partait. Elle est habillée d'une culotte rose foncée avec un t-shirt blanc. S'il vous plaît, trouvez ma fille. Est-ce qu'on pourrait nous faire une description? Elle est grande de taille, un teint clair, petite de corps. Je vous promets que nous allons vous ramener votre fille. Mais cessez de pleurer, d'accord? Courage, madame. Merci. Oui, chérie. Je suis en train de sortir. Mais avant de sortir, il faut que je te parle. Par rapport à ta fille. Elle ne veut rien faire. Et moi, je ne peux pas rester avec un enfant qui ne veut rien faire. Là, elle est là. Elle doit retourner chez sa mère. Parce qu'elle ne me sert à rien dans cette maison-ci. Qu'est-ce qui te prend, toi? On t'offre la belle vie sur un plateau en or. Et tu oses cracher dessus? Quelle belle vie? Ce prostitué! C'est ça que tu appelles belle vie. Tu la boucles. Tu as dit quoi? Se prostituer? Moi, je peux t'amener à aller te prostituer? Moi, je t'amène les autorités de ce pays. Tu ne sais pas que ces gens-là peuvent te mettre, peuvent bien te garder. Et derrière toi, moi aussi, je peux bien vivre. Tu sais qu'il y a une petite fille qui garde la parole, mais c'est là-dedans. Tu peux bien me garder? Tu dois accepter ce que je te demande de faire. Et tu vas faire ce que te demande la tigresse. Jamais, maman! Jamais! Je me fais mourir que je me livre aux activités malsaines auxquelles vous me proposez. Ah bon? Que te donnent tes sales petits copains qui sont incapables de te payer le string? Ma fille, ici, si tu travailles bien, tu seras couverte de diamants. Jamais, papa! Jamais! Tu veux rentrer chez ma mère? Sinon, je vous dénonce tous les deux à la police. Si tu oses nous dénoncer, tu ne sortiras pas vivante ici. D'accord, papa! D'accord! Hein? Dans ce cas, tu es mon papa! Hein? Tu es moi! Tu es mon papa! Tu es moi! En tout cas, moi, je suis en train de sortir. Voilà tes habits. Tu vas rester te changer. Tu te maquilles, tu me mets les talons ici-là. Comme je sors là, c'est pour aller chercher un nouveau client. Et le client là est important. Donc si tu ne me fais même pas avoir honte devant ce client, reste arrangé, comme je t'ai dit là. Moi je pars. Je suis en train. Reste t'entendre avec ta fille. C'est ça ma chérie. Calme-toi ma fille. Non! Non papa, non! Non!
Brigadier Ebodé. Brigadier Ebodé. Oui, mon commissaire en hiérarchie. Appelez-moi Daniela et dites-lui également de m'amener les prévenus. Oui, mon commissaire. Je dis bien les prévenus, pas les voleurs de moto. Oui, mon commissaire. Je parle de cet animal-là. Le pédophile. Le pédophile, l'apéro et son complice. Oui, mon commissaire. Que ça soit. En es-tu avec le dossier des prévenus, du pédophile notamment? Il refuse de parler. Il refuse de parler, mon commissaire. Il refuse de parler. Il continue à faire le muet. Oh! Quand je te parle, tu me regardes. D'accord? On est où là? Comment est-ce qu'on appelle ce bâtiment? C'est où? C'est le commissariat. Et qui dirige ce commissariat? Le commissaire divisionnaire hors hiérarchie, Zozo Lafayette. Je fais parler les muets. Je fais voir les aveugles. Je fais marcher les infirmes. Tu vas parler. Je dis, tu vas parler. Et toi, sale mec, c'est toi qui avais osé toucher à ma belle Mirabelle. On est... J'espère seulement que tu n'as pas fait ce que j'imagine. Auquel cas, je vais vous fusiller. Passe là. Je vais apprendre des bonnes vieilles méthodes qui ont fait parler les sourds. Et les muets. Avance là, c'est toi là. Garde ton oreille. Et Daniel avant de lancer le courant. Mon commissaire, l'eau courant. Je dis l'eau courant. Le droit de l'homme, mon commissaire. Tu arrêtes avec ton histoire des droits de l'homme. Les droits de l'homme, les droits de l'homme. C'est moi qui représente les droits de l'homme. Je suis les droits de l'homme. Voilà ce commissariat. C'est moi qui fais la loi. Et la loi qui me plaît va tout suivre. À quoi ça me fait comme ça? Imbécile. Ça repart dans une douille. Tu as violé combien de filles? Tu as violé combien de filles? Tu ne parles pas. Africa moving.